Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion, c'est une tranche ici à Contact Pro Live où nous réfléchissons sur notre chère République démocratique du Congo. C'est avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'engouement que je vais encore une fois, viens encore une fois de plus devant vous pour une nouvelle émission où nous allons parler de notre chère République démocratique du Congo. Je suis très absent, vous aviez constaté, ça fait une bonne dizaine de jours que nous ne savons pas à produire. Cela est dû au fait, d'abord, je vais vous expliquer ça dans l'émission. Donc, je suis d'abord en train d'introduire cette émission, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous allons parler de quoi? Nous allons réfléchir sur quoi aujourd'hui, mes chers amis? Bandeko, ngana banzi ke réflexion ou bien les propositions pour notre développement na mboka na biso et komi na moma moko oyo, je crois que les gens ont arrêté de réfléchir. C'est pour cela que nous nous disons aujourd'hui, nous allons parler de deux choses sur la justice. Vous êtes sans oublier que les états généraux de la justice ont lieu à ce moment-ci à Kinshasa. Nous avions suivi tous les discours du ministre, le jeune ministre. Nous avions suivi beaucoup de bavures qui se sont faites sur discours de Nicolas Kazadi. Les corruptions ne cessent pas. Babiloko belé belé zakosala, mais eloko nini angwez tokolobela lelo mingi mingi. C'est toujours avec la Constitution. Beaucoup de gens m'appellent en me posant la question, papa, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que Ndengeni Togosa la Constitution Unité Nationale et Zalité? Quelle est votre réflexion? Et lelo, je me suis décidé que non, Botika n'a revenir qu'en Balamoko, n'a processus, il y a changement à la Constitution, selon que Tokene na Ndenge à Bosolo, Oyo, Togoki Kolobakeno, Ekobongo la Biso Nyoso. C'est-à-dire que le processus que nous allons expliquer aujourd'hui dans cette émission va vous montrer que la discussion excusez-moi, aujourd'hui vraiment nous allons réfléchir en frangala. Pourquoi? Je vais vous dire toujours dans l'émission. Pourquoi est-ce que Naza Koloba mingi mingi na lingala na réflexion? Pourtant, en réflexion, nous réfléchissons, en principe, nous réfléchissons sur la Constitution, comment elle est appliquée et elle est vécu quotidiennement en République démocratique du Congo et comment elle est implémentée par ceux qui ont juré de la respecter et yako défendre la constitution. C'est ça le but de notre mission en principe. Vous savez que nous parlons de la constitution et nous avions dit que la constitution c'est un pacte social. Et ça, et loko oyo, biso nyo soto sangani, to lobi, oyo ne mobe kwango ali konzi oyo kokanga biso. Je voudrais plus revenir avec ça, mais tellement que ma discussion est leki, ça fait plus de 3 semaines aujourd'hui qu'on parle de la Constitution, on parle de changement ou révision de la Constitution. Mais lelo, moi je vais vous expliquer le processus que moi je pense pourra nous amener à avoir une constitution que personne ne discutera là-dessus. Voilà le but de l'émission d'aujourd'hui. Pourquoi nous allons changer et comment nous allons changer la constitution? Quel est le processus que nous devons prendre pour le changement de la constitution? Alors, comme dans toutes nos émissions, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 9 novembre 2023, donc Eza samedi Lelo. En principe, nous devrions venir avec quelque chose comme Ba direct Nabiso Lelo. Nous avons stoppé ça et je vais vous le dire pourquoi toujours dans cette émission. Suivons d'abord les grands titres et puis nous viendrons pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, reprise des affrontements à Walikale et Niragongo. Et puis l'Assemblée nationale prolonge l'état de siège pour la 85e fois.
L'Omami, la femme rurale honorée à Kabinda. On va sur Actu 30, actu30.cd. Il n'y a aucun malaise entre le ministre de l'Industrie et le directeur général du FPI. Ça, c'est un communiqué. Le ministère des Sports signe un protocole d'accord avec une société japonaise pour l'identification biométrique des athlètes. État général de justice, le professeur Chuban Rukalala propose la suppression du Conseil supérieur de la magistrature. On va sur Congo profond. Kasumba Lesa, le nouveau président de la CAD. Richard Nsenga dévoile les grandes lignes et promet de lutter contre les antivaleurs. Thierry Mariani, l'inlassable défenseur de la RDC au Parlement européen, vers une nouvelle ère des droits humains en RD Congo, une collaboration prometteuse à Genève. 7 sur 7. Guerre de l'Est, le Parlement africain dirigeante une mission d'information. Trois nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC et puis loi de finances 2025. Daniel Bumba appelle à des réajustements au bénéfice de la ville de Kinshasa. On va terminer par Radio Okapi. État général de la justice, diligence de vue sur la restructuration du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, les enseignants de Bafoussende réclament leur salaire de janvier 2024 auprès de la Caritas. Kinshasa, l'université Loyola du Congo souffle sur ses 70 bijoux. Bougie plutôt, les députés nationaux prêts à endosser un projet de loi sur la protection de la lanceur d'alerte. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, je suis encore une fois très émerveillé de voir comment est-ce que vous êtes en train de réagir dans nos émissions et comment vous nous appelez pour constater effectivement notre absence. D'abord, pourquoi nous nous éloignons un peu de cette politique? Parce qu'il y a une certaine rhétorique. Babouzo bamoko komi ko salema na ba réseaux sociaux où on essaye d'expliquer l'inexplicable. Les gens se vertuent à aller dans tous les sens et nous nous sommes dit, ah, prenons un peu du recul pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Depuis débat oyo ya constitution et banda ki bande konangai. C'est partout où vous entendez que la constitution doit être changée, tout ça. Les uns pour, les uns contre. Mais le quintessence de cette constitution, beaucoup n'en parlent pas. On ne parle pas le chemin. On vous dit que non, à un certain moment, que c'est le souverain primaire qui s'arrangera à changer, à juger de ce que nous... Est-ce que vraiment tout ça, l'article au Batubaza Kolobela, n'est-ce que pour changer la constitution? Et moi, je dis non. Même si je suis pour que la constitution tout change en haut. Pourquoi? Parce que je vais vous dire toujours dans cette émission, soyez avec moi. En attendant d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment, na lombangu, na sengibino, na lombangu d'abord, vous s'abonnez. Abonnez-vous, partagez nos émissions, mettez des likes. Partagez, tout partagez l'émission, s'il vous plaît. Parce que ezana ba makamoko très important tokolobela awa. Donc c'est ça pour c'est le pourquoi que moi je me suis éloigné un peu en disant nati kananu peut-être mon pepo ya constitution et les kananu. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens ne comprennent pas la constitution c'est quoi. La constitution c'est une démarche qui a été faite. La constitution qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas une constitution des étrangers, qu'on ne vous le mente pas. Et ici, vraiment, je n'attaquerai pas le président ou quoi que ce soit. Je m'attaque aux agissements des uns et des autres sur la discussion de cette constitution. Les gens oublient que c'est un pacte social. Et ce pacte social est emmagasiné dans un livre. Dans un livre qu'on appelle la Constitution. Donc nous les Congolais, nous nous avons engagés à ce qu'en disant, voici ce que nous voulons, à ce que ça devra être un pacte social. Et le renier aujourd'hui, c'est de se tirer une balle dans ce pied.
wana to éclabousser ma kambango. Si nous voulons être en paix, nous ne pouvons pas changer brutalement la constitution comme ça, ou faire la constitution qui va être taillée à la mesure de quelqu'un ou bien à la mesure d'une personne. Ça n'a pas de sens. Il fallait plutôt préparer. S'il y a des Nabakoko so to relevant na katia constitution na biso, et nous avions donné le schéma. Nous avions dit que il y a des choses qui effectivement méritent d'être aménagées. Il y a des choses dans cette constitution qui méritent d'être changées carrément parce que sur le plan actuellement, ça ne marche pas. Notre constitution protège une certaine partie des gens aujourd'hui. Nous ne pourrons pas continuer avec ça. Nos enfants ne pourront pas s'émerveiller aussi. Bakuta Kabiso na désordre à Boué. Il est grand temps c'est que nous prenons les choses à voir comment est-ce que nous devons y aller. Et nous ne devons pas y aller par des coups d'État. Mais ce que je suis en train de constater, c'est que nous sommes en train de pousser le peuple congolais à s'énerver. Le peuple congolais a s'énervé parce que la situation est intenable en République démocratique du Congo. Nous ne voyons pas de lumière. Espoir est à Kokendezate. Tozopola, comme disait un influenceur. Tozopola. Nous sommes en train de perdre sur tous les plans. Sur le plan international, nous ne sommes pas considérés. Sur tous les plans, on est en train d'être malmenés. Et qui nous malmène? Regardez tout simplement les discours de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils s'entrent là-dedans, tantôt c'est le Rwanda, tantôt c'est pas le Rwanda, tantôt le Rwanda qui est votre ennemi, tantôt c'est eux que vous invitez. Les discours de Kamere m'ont choqué. Un président parlementaire, un président du Parlement, oui, a commencé à parler le langage de la rue. On adopte le langage de la rue, c'est-à-dire que Nandenge Abatu Oyo, Bazako réfléchir. C'est ainsi que moi je me suis dit, Bandekona s'est retiré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent plus et qui parlent. Alors ceux qui réfléchissent ne seront pas entendus. Batu Oyo, Bazako réfléchir, Bakoyo Kanapé, Lissousouté. C'est pour cela que je me suis dit, je vais commencer un peu à espacer mes émissions pour. Réflexion nanga quand même. Oh, Nazakum, ezala déranger te na makelele ya wenze. On ne réfléchit plus. Le débat est devenu de la rue, pratiquement. Quand vous ouvrez votre YouTube ou bien vous allez dans vos chaînes de télévision et vous entendez les discussions qui sont là sur la politique, ça donne matière à réflexion. On se pose la question, ces gens sont-ils encore des Congolais ou bien c'est des personnes qui viennent justement pour embrouiller les gens. Notre pays ne se construira pas par les novices. Notre pays se construira par les érudits. Et ces érudits ne devront pas être clochardisés pour être trimballés de n'importe quoi. Vous regardez les débats qui se passent au Parlement. Quelqu'un qui commence bien et il se contredit. On parlait du budget que le gouvernement a apporté. On relève des choses, on dit que ça ne va pas, il n'y a pas de ceci dans ce budget. Il n'y a pas. Et à la fin, il dit, nous supportons ce budget-là. Mais beaucoup, tu n'as pas de discussion à Bino et Zanini. C'est enlever de quoi que dans ce budget. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous montrer comment les discussions des politiques en République démocratique du Congo est devenue une discussion de la rue à partir du Parlement, à partir du président de la République, qui on sent que quelqu'un qui ne réfléchit plus. On sent qu'il n'y a plus de réflexion, Bande Konangaï. C'est ainsi que de moins en moins, les gens qui réfléchissent, qui se disent. Comme on dit les bangs, nazoyokanaobi, mais ce n'est pas possible. Tokokende wapi na modèle oyo. Même ceux qui tolobi, bon, ok, année prochaine, on va élire un assemblée constituante pour réfléchir sur la modification de la constitution.
ces gens-là seront à la merci de celui qui les a envoyés. Et donc, nous n'aurons pas de résultats. Et qu'on a le texte, moko oyo, bango bako consacré mokonzi à l'élo, balobi bokonzi, tozongi sou na ba dictature. Parce que la réflexion n'est plus là. Les gens ne réfléchissent plus. Nous ne nous projetons plus dans le futur pour que nous puissions prendre nos dispositions afin de construire notre pays. On ne parle pas de l'État qui n'existe plus. Les gens ne se réfléchissent plus, Bande Konangaï. Et ça fait mal. Et c'est comme ça que moi je me dis, ah, na ya kanaba réflexion boy. Tozana kakophonie moko oyo batu baza koyokate. Les gens ne comprennent pas. Regardez, naza kopé sabino ba parenthèse mouke mouke. Quelqu'un comme Nicolas Kazadi, il exprime, Azako explique comment il a discuté avec le président de la République pour que Akene na ye na poto. Comment il a convaincu. Oso sentir que non, Moutou, oh, le président de la République a ouiko sale lo komo kote. Même ce qu'il a fait, le président de la République doit toujours intervenir. Vous comprenez? Donc, ça ne peut pas se faire comme ça. Et moi, j'ai été déçu de cette interview de Nicolas Kazadi. Et ça montre la bassesse, comment est-ce que nous sommes tombés trop bas. Il y a des gens en République démocratique du Congo, qui ont kangaté. Oh, ce qu'a lobé le président de la République, a lobé le Komoko Boe, Mbala Moko, et comme il y a le président Zobangaye. Et ce sont ces genres de personnes qui continuent à avoir le pouvoir, mais dans l'ombre. Et ils sont en train de téléguider les choses. Mais notre République, nous sommes en train de partir. Utozo kende wapi. À l'est de la République démocratique du Congo, les guerres se vivent. Le M23 avance petit à petit. Et ils sont en train de jouer sur l'usure de ce pouvoir. Bouzoba et Monanati Nasuka. Bande Konanga Ezamawa. Ezamawa. Et moi je me dis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons aller? Biloko eko kende ti quand? Et là, vous allez voir le budget qui sera adopté tel qu'on l'a présenté. Moi, je pensais peut-être qu'on pouvait dire Makambo Tozoloba, Totina Angona réflexion, Premier ministre, Kenena no réfléchir, Makambo Tolobelio Ango, mais Kako révisé Biloko Oana. Mais quand vous lisez ce projet-là, il y a budget, vous sentez que c'est du copier-coller, les gens ne travaillent plus. Les gens ne réfléchissent plus. On a laissé pratiquement la porte ouverte à tous les badauds. Batounyo surtout, moutounyo surtout, chancelo kopamba, comme on dit. On a laissé la porte ouverte à n'importe qui de venir faire du n'importe quoi. Moi, ce n'est pas que je suis en train de minimiser les expériences des uns et des autres. Mais c'est le système dans lequel nous sommes où il n'y a plus de réflexion. Les gens ne réfléchissent plus. Les gens ne travaillent plus. Nous tournons tout à coup, mais comme on a intérêt, ceux qui ont changé une constitution, intérêt n'a rien qu'aux Arandéini. Et les gens, ceux qui ont aucun détail, na 2025, il a promis qu'il va désigner, c'est lui qui va désigner une commission. C'est pas possible. C'est lui qui voit. Il devrait présenter le projet au Parlement. Et le Parlement est à l'obake. Oui, effectivement, président de la République, puis auto-agréé à moi. Mais il y a une certaine procédure. C'est là où je suis en train de partir. Procédure, ni n'yango bako sala. Selon le président Tshisekedi, pour le changement de cette constitution, il va désigner les membres d'un comité constituant qui va réfléchir pour lui et nous proposer une nouvelle constitution. Ekozala banani, ekozala batunaye, batuneti ba Nicolas Kazadi, des gens qui sont dans son entourage, qui ne réfléchissent plus. Batuebele bazako réfléchit, parce que quand tu viens à la télévision et dire que non, lorsque je prenais l'avion, j'ai eu un coup de fil du président de la République. Et je l'ai dit, président de la République, dans une manière polie,
Et lui, en disant au président de la République, non, ma kambouane est à tenga na zokende. Mardi, oh, et loko moko est à tenga na zokende. Conversation, on a trahir moral. Moi, je pense que ça a trahi le président lui-même. Qu'il y a des personnes à qui il peut interdire. Donc, Bokonziango, et Zakaka na Mokonziye Moko, c'est ça justement le problème de la constitution que nous, qui est pratiquée aujourd'hui. Et nous voulons encore aller dans le fond en disant que Yemoko, Moutouana, ne Moutouako, Salamibeko, Oeko, Pesaebo, Konzignoso. C'est ça qui fait mal. Et là, on a des accords à la passe. Alors, quel est le schéma pour ne pas être trop long? Bandeko. Bandeko, à contact pour life, Bino Moko, Bozalaka, Awa, ça fait déjà plus de 5, 4 ans, 5 ans. Tobandaka, émission O, on a 2019. Et nous avions suggéré au président de la République, please, Fachito Bandela Zéro. Qu'au Bandela Zéro, nous avions donné ce schéma-là. Et c'est ça que je vais rappeler encore aujourd'hui. Parce que c'est au place où on en est dans Télémela. Structure en mot cannabis, on va recommandation, tant qu'on a ni constitution, on est salamaka. Les recommandations qui ont été faites au gouvernement. Qui sera formé, il y avait parmi ça l'identification de la population. Bozomon a mandature passé à président de la République jusqu'à aujourd'hui. Ce sujet-là est resté sans solution. On ne réfléchit pas à comment est-ce qu'on va identifier la population. Parce que je vais vous rappeler une chose. La guerre où ils ont se vivre, c'est parce qu'il y a des injustices. S'il y a beaucoup de groupes armés là-bas, c'est parce que l'État n'existe pas. L'État ne contrôle pas. Le pays, on ne construit pas. On ne fait pas quoi que ce soit. Nous avions demandé au président en 2020 d'entamer une série de structures pour respecter justement ce qu'on avait donné comme recommandation tant que tu adoptais la constitution ou après référendum. Et quelle était la recommandation? Nous devrions nous connaître, Bande Konangai. Nous devions connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Modification en constitution, on va changer la constitution. Mais qu'est-ce que nous allons changer dans cette constitution? On ne vous le dit pas. Malheureusement, on ne vous le dit pas. Et nous, nous avions proposé en disant, please, faites Fachito Bandela Zéro. Toko Bandela Zéro, Ndengenini. Pesa pouvoir na peuple. Quand tu donnes un pouvoir au peuple, le peuple va te reconnaître que yonde mutope saki bango pouvoir. Et là, vous ne limitez pas le pays à votre personne. Non, mboka o mutute ye mokwa kobongisa kango. Ce pays ne sera plus jamais dirigé par un dictateur. Ce pays mérite mieux. Parce que nous avons tout. Mais tout le monde, nous avons tout. Tozana ba minéré, tozana population, tozana ba intellectuel, tozana ba savant, nous avons tout. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est ça la question. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions décoller? C'est l'ordre. C'est cet engagement national. C'est cette nation-là qui n'a jamais été construite. Et le Kwanandeza Kozangi Sabiso, Tozo Zanga. Tozo zanga ordre, tozo zanga ko respecte mboka oyo, to lingi mboka oyo te. Parce que si nous l'aimions, nous devrions déjà avoir des structures, nous tout onyoso akolanda ako respecte structure wana. C'est cet état-là que nous avions failli à construire Bande Konangai. C'est cet état-là que nous n'avons pas construit. Et c'est ça qui détruit la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo, ezako vivre, na batou, ezako rêver que tozane ti Amérique, tozane ti France, tozabo. Nous n'avons pas un pays que le Congolais protège. Ce pays-là n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça le grand problème que je suis en train d'évoquer ici. Et qu'est-ce qui nous manque maintenant pour que nous puissions aller maintenant à construire ce pays-là? Et le Congo Zani. C'est cette structure-là, il y a qu'à reconnaître que tout Congolais, à tous les niveaux, devrait défendre le Congo à niveau naïe. Et c'est ça que nous avions failli à ne pas construire.
Comment nous allons le faire? Nous avions demandé à Fachi de please Fachi tozongela zéro. Kozongela zéro zandengeni. Ce n'est pas directement on va venir que non bon on salit l'assemblée constituante va pondre texte mususu asika. Ça n'aura pas ekozala na mizizi te comme on baloba na swahili. Haita kuwa na mizizi, ça n'aura pas de racines. Nous devons aller dans l'identité que les Congolais puissent savoir que mboka o eza mboka na ye, eza mboka ye moko e fwa protéger yango, ye moko e fwa tonga yango, ye moko e fwa kamba yango. C'est par là que nous devons commencer. Et là, notre chemin était simple. Président de la République, tout préparé et loko pour 2024. Depuis 2019, tout le banda koloba et loko oyo. Please, Fachi, tout le banda la zéro. Et que ça, les mandengeni. Nous devions d'abord faire passer cette idée-là, Yakobenga Batunyo Sotou, Yako faire passer l'idée à la 4e République. Ça se prépare, ce n'est pas quelque chose qui viendra du ciel comme ça qu'on s'implémentait. Ça demandera du temps. Et là, on a objectif dans la cohésion nationale, na unité nationale, et puis avoir un État qui fonctionnera et que tout le monde respectera cet État-là. Tout ça, tu n'as pas disposition, on a un coupé sa bango, pouvoir et à Koloba. Ya koloba ke non mboka oyo minero eza na kati ya mboka na ngai ekobimate sans que e profiter na mboka na ngai. Le peu que nous pouvons avoir, nous aurons à justifier que notre salaki na ngo boye. C'est cela que nous avions dit depuis 2019. C'est-à-dire que Fachi, Ndenge Ozali Wana,
qu'on s'est précipité na yoté qu'on changeait constitution ou quoi que ce soit. Organiser le peuple en fait que le peuple puisse se prendre en charge. Et qu'on commande nini. Et qu'on commande un moment où il y a koloba que non. Le Congolais, même s'il est à Bagata, même s'il est à Bounagana, Moutoua Matadi a dit que Congolais moukouazana Bounagana. Mutu akoti na mobile mbongo kuna na frontière wana mutu azana kasumbalesa bayebi ke mutu moko akoti. Nous devrions organiser le système. Nous sommes à l'ère de la digitalisation, mais talambo kanabiso ningezo kende. Alors le schéma était simple. Nous avions proposé quoi? Nous avions dit Fachi please to bandela zero to bandela ndenge ni. Nous allons concevoir ce que nous appelons les états de lieu de chaque territoire. Ça sera des assemblées qui mettront les intellectuels batounions sur chaque territoire. Nous allons réfléchir sur notre pays. Ces états de lieux de territoire et sera comme avec une mission. Il y a une conférence nationale souvenir. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé cette histoire-là lorsque nous discutions. Et ces mini-conférences nationales souvenir de territoire devront être pratiquement libre et souveraine parce que les terres leur appartenaient. Le territoire appartient à ce peuple-là qui y habite. Des états de lieux devront être contractés par qui? C'est ça justement la question. Par qui? Bandeko, comme vous dites que na Congo toye bani okokikolobake oyaza Rwanda oyaza Rwandete oyaza nani oyaza nani. Dans les territoires, les gens se connaissent très bien bazakuna depuis des millénaires. Il y a des intellectuels, il y a des prêtres, il y a quoi que ce soit. Tout le monde qui vient dans chaque territoire se connaît. Batunyoso na ba territoire na bango ba yebani. Et c'est par là qu'il fallait commencer à obtenir d'abord un consensus, na consensus national, na consensus territorial à koloba bandeko a biso tolingi bitumbate. O eza territoire na biso, mais nous faisons partie de la République démocratique du Congo et donc nous devons donner notre point de vue ici. Pour que biso nyoso a na territoire na biso tokende liboso. Boko excusez ngai pour na schéma ya ba ville na ba agglomération minene na kolobelango te na kati ya émission lelo. Et donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que pio beti ngonga o eza quelque part awa. Tant on a kolo de émission na on a ko expliquer makambo ya ba ville na ba agglomération ba état de lieu na bango ko sale mandenge nini bo rater émission na te. Mais la monture principale, c'était d'appeler les états de lieu de chaque territoire, où les enfants de chaque territoire, bozala ba pauvre, bozala nanzela te, mais bozala tout beaucoup tanakuna na kati ya territoire nabino, autour de cet administrateur de territoire, bo discuter makambo ya mboka ya territoire nabino. Et là, il devrait y avoir deux choses. Bo discuter sur identification, envie d'obtenir une carte d'identité. Et ça, processus, n'a pas de. Et puis, bon, réfléchir sur une ébauche d'une constitution, votre voix, que vous devrez donner pour que vous ayez la constitution et la 4e République. Voilà le cheminement de ce que moi je suis en train de dire. Processus, wana. Donc, les états des liens de chaque territoire devraient avoir deux missions. Un, réfléchir sur une nouvelle ébauche d'une constitution. Et deux, identification à population. Tout le monde devra être identifié. Batuna batubaebi, awa, tout ça bilokoni. Ces conférences-là devront être permanentes. Pendant que nous sommes en train de réfléchir, conférence wana ekosala musala nini. Ekotika la kosala musala nini. Première mission nango ekozala identification. Na ko régler ba petit problème o esalema, eza kosalema na kati ya ba territoire. Et qui devront y participer dans ces conférences-là? C'est très simple. Ce sont les tribus qui habitent ces territoires-là. Bah, tribus. Parce que nous allons respecter cette constitution ici. Parce qu'on dit dans cette constitution. Nous allons respecter cette constitution ici. Parce que dans cette constitution, qu'est-ce qui est dit? Qui est Congolais? C'est toute personne
appartenant à un tribu dont les terres étaient sur le territoire qui a été désigné comme République démocratique du Congo à son événement à l'indépendance le 30 juin 1960. Ça peut se respecter là-bas, dans les territoires. Parce que quand on a un territoire, il y a un chef coutumier, un chef de secteur, bazali, et toutes les structures de base qui sont dans les territoires devront servir à désigner les gens qui sont reconnus dans leur territoire que non batou bazaba congolais bazaba ndeko na biso bazaba tribu songolo et on donnera la charge aux tribus qui habitent là-bas parce que il y a dans chaque territoire lorsque vous regardez les cartes dans chaque territoire vous allez trouver peut-être 3-4 tribus au bazana kati ya territoire wana ba mususu ba territoire mususu eza à cheval par exemple batou ba tribu moko eza à cheval entre territoire mibale. Mais ils se connaissent baye ba kabalobite et pas nabino village wana chef de secteur nabino azalaka kuna. Donc il est facile de connaître batu nini yango bavandi na kati ya ba territoire wana po ba désigner batu o bakoya na ba assemblée wana ya nani ya état de lieu wana. Et là nous nous sommes dit si nous pouvons déjà donner 300 personnes par territoire et que ces 300 personnes-là seront désignées parmi les intellectuels de chaque territoire, bah, à quoi réfléchir, bah, ça, la moussala est à l'État. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, ce gouvernement, il y a 2019, ce jour-là, nous disions que, please Fachi, voici le chemin. Nous avions dit que votre gouvernement ça, soit un gouvernement transitoire en disant, nous respectons cette constitution ici, mais bah, kokoso misu sezana kati. Je vous en parlerai aussi en long et en large. Moi, je me suis dit, oyo, il faut à pratiquement tout me kako réfléchir ya ko bongisa eloko wana. Et le peuple souverain, au niveau des territoires, quand ils désigneront, quand chaque territoire verra que non, oh, territoire msusu ba tout côté kuna basi ba bandi et tout ça, parce que ça doit être au même moment. Pendant combien de temps? On me pose souvent cette question-là. Le temps, c'est la meilleure des choses qui mûrit. Ce que l'ingi mbouma est belle à malam, il faut opé sa yango temps. Batou bako réfléchir calmement. Yakolo babon. Ok. Biso awa, toyokani, pendant par exemple désignation, ya batou togigo lo babon, dans 2 semaines, il faut chaque tribu ba désigner batou oyo 34, 40 personnes, ou bien 3, 30 personnes, ou 15 personnes oyo, bako participer nakati ya. Bah, état de Liwana. Ça sera le monopole. Moutoua Kozala na influence à Moutoumoussoute parce que les tribus se connaissent. Nous connaissons bah, leader Nabiso et bah, tribu Nabiso. Nous connaissons nos politiciens dans nos tribus. Et c'est ainsi, ça sera l'occasion à ce que les gens puissent aller se mettre d'accord à Kolobate. Moutoutel, professeur tel, Nakati Nabiso, Nebato et Amayel, Nakati à tribu Nabiso. Nous nous connaissons Bande Konangaï. Et ça sera l'occasion de ne pas nous mélanger comme des choux et des carottes. Batounyo surtout, bakozala na opportunité, y'a aucun de koloba calmement. Autour de l'aile, chef coutumier, koloba, chef coutumier, oyo. Et cela, vous allez donner l'importance de la base. Parce que ces gens-là seront toujours à la merci de leurs envoyés. Batou, batinda ki bangonde bakozala, batou, bakozala koko pesé sur bango. Vous y allez là-bas avec le plan. Yako soutenir, yako tonga, territoire nabino, fest. Et loko ali boso, bozo kende kuna, bozo kende ko réfléchir sur territoire nabino, tribu nabino et lobby nini. Quelles sont les valeurs de vos tribus? Ne désignez pas les gens, oh, parce qu'il est docteur en droit ou quoi que ce soit. Non, ça c'est une affaire sociologique. Et vous n'allez pas me dire qu'il y a ba tribu moussous, ezo zanga ba intellectuel, ça n'existe pas. Toutes les tribus en République démocratique du Congo regorgent des dettes basali. Mais il n'y a pas seulement les structures où Bakoïko évolue né lokwana basalakate. Et donc, si les tribus vont se reconnaître et se mettre ensemble, voyez déjà comment est-ce que les gens tokozalana akalmi moko et que batuba bayebani bandimami bandimi que non o yazande konangai o yazande konangai te. Les problèmes, et pendant ce temps-là, j'avais dit au président de la République, là où il y a les groupes armés, j'avais prévenu au président de la République de ne pas négocier avec les groupes armés.
Mais tokwe ya kikaka na babilo kwana. Babilo kwana eko ka eko kende ko se faire négocier lorsqu'il y a état de lieu de chaque territoire. Batunyo so obaza na kati ya ba territoire. Bavandi, balobi bato ba simba mandoki bandeko. Tozo banda kopesa mut congolais nyoso identité na ye. Il faut que congolais soit identifié. Alors bino bato obaza na zamba. Boti kanano mindu ki toya kovanda. Toye ba. Bobunde la kanini, mabeni nyango, ezali poto bongisa yango. Voilà comment est-ce que le chemin est-ce que nous avions mis en place pour que nous puissions avoir cette unité nationale dont on parle. Batwebele na Kinshasa bazakolo ba unité nationale, unité nationale. L'unité nationale, ce n'est pas le mariage entre Félix Tshisekedi et Fayulu, non. Ce n'est pas une réunion des politiciens. Nous, biswana toza komit Longola. Le peuple congolais a ce mot. Bao baza kolobanengwana, baza komi Longola. L'unité nationale, c'est-à-dire que nous reconnaissons et les tribus n'a pas importance nango. Na yebi ke mounou baza diamantifère. Na yebi ke mounande aza commerçant. Et chef abanande za nani. Et les gens seront liés à leurs origines, à leurs identités. Na ou ça la mabete parce que c'est toute ma tribu qui sera dénigrée. Voilà. Maintenant, le travail de chaque territoire, quand il sera fait, na mandatiro ya 2019 na 2023, to bande la zéro. C'est par là que nous réfléchissions ça. En disant, appeler les états des lieux. Ils vont voir tous les problèmes qui se posent dans leur territoire, toko bande la wa, puis pon a problème na biso awa. Où est-ce que nous allons commencer? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons, c'est comme cela, les 300 personnes, en faisant l'identification de la population, rappelez-vous que je vous ai dit que ça sera une commission permanente qui pourra siéger peut-être pendant jusqu'à la mandature, jusqu'à ce que tous, comme ça processus son asuka. Les 300 personnes vont déléguer leurs 10% au niveau des provinces pour aller harmoniser les textes qu'ils ont faits au niveau des provinces. Wana siko tozo kene na processus ya constitution, mais bao batikali siko na processus ya ko réfléchir sur l'expansion, le développement na identification à population. Donc musa lezo continuer. Ndambu oyo bazo kende na province, bazo kende ko discuter sur les boches pour na ko harmoniser, biso to réfléchir ça qui na thématique boy. Nous on a réfléchi comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous aviez pensé? Qu'est-ce qui peut nous unir? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous communiquez aux autres qui sont restés que Toyokanaki na likambo nationalité, par exemple, boye 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 boye. Toyokanaki na forme à l'État, bat mbandeko balobi, en tout cas forme à l'État, il faut être à la unité, ou bien il faut être à la ezala fédéralisme, ezala boye boye. Comme ça, le peuple congolais va s'exprimer et on harmonise les textes au niveau du province pour avoir une seule ébauche. Batouana na katia ba province, j'avais dit que le 26 provinces étaient mieux pour que Moutouna Moutou Congolais pour que Agnoso Aloba. Et donc, dans le 26 provinces, Moutouna Moutou, chaque province va désigner l'issoussou et un bon nombre. Bakende siko na niveau national pour obtenir texte moko. Oyo maintenant, tokoki maintenant qu'on faire intervenir ba juriste pour ba harmoniser texte les, parce qu'ils ont maintenant de la matière, ils ont maintenant notre sociologie, ils ont maintenant batni ba wana oya mayele o ba koloba bon ok là assemblée constituante yango oyo et ça sera désigné maintenant par les gens qui sont venus des provinces qui sont parce que ba koye ba na ba koloba ah professeur tel tozala ki na ya zaboy désigner vraiment qu'elle est qu'on représentait Bissot. Voilà un peu comment est-ce que nous avions pensé que tout si géré dans mon konzi amboka que pour na kobongo la mobile koli konzi exacte likambo ya discours au lobby na Kisangani boye boye te. C'est tout un processus. Alors les gens qui passent à la télévision que la constitution devrait être changée, qu'ils vous disent que est qu'on va changer nengeni kaka na liloba Tshisekedi. Mboy na modèle o mboka na biso za lelo, ce n'est pas un bon modèle, il faut qu'on accepte ça. Le pays fonctionne sous un régime qui est difficile à identifier, c'est quel régime là? Régime angonini tozana ka, tozana régime présidentiel, tozana régime parlementaire,
Tous en un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, ça ne s'explique pas comment est-ce que les provinces n'arrivent pas à se développer. Tantôt c'est Fifi Masuka qui développe bien ce côté à Luala Bakuna, tantôt Kisangani et Koufi, tantôt Équateur est oublié. Ça devrait être un dynamique d'ensemble où nous savons maintenant Awa biso to sala kabo. Ce qui peut boukani toko kende pas mon konzité. S'il faut arrêter quelqu'un, un meurtrier, il ne devrait pas être allé à Kinshasa pour que Azala oublié. Je vous donne ici l'exemple. Abato Bomaka, un opérateur économique Ngezayo. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la suite. Parce que Batindaka Batouangon à Kinshasa. C'est comme si il n'y a pas de tribunaux à Goma ou bien dans le Nord Kivu. Batoubaza, avocat, Gombaza, tiens, à Goma pour juger Batouana. Voilà les formes qui fait de la cacophonie. Et on veut encore amener Balobino, président, à désigner Batou. Pour passer à l'Assemblée constituante, l'Assemblée constituante, on a dit que constitution. Ici, je veux remercier le Nande, un intellectuel Nande, qui a transformé. Parce que ça, c'était aussi une recommandation de la... les recommandations qui ont été faites pour le gouvernement entrant en 2006 à faire. Il fallait pas transformer la constitution en abalang nyoso et que ça soit enseigné dans les écoles. Ça n'a jamais été fait. Alors je disais que je remercie vraiment un intellectuel Nande qui a sali angona kinande. Et il distribue maintenant ça sur les réseaux Batounio, surtout Bissonio, surtout Tozotanga, constitution Angona Kinande. Et ça nous permet encore mieux de comprendre cette constitution. Donc toutes les recommandations qui ont été faites lorsque nous adoptions cette constitution au référendum n'ont jamais été respectées. Et donc nous sommes restés dans la cacophonie. Mutuna Mutazolo Baboué, Mutuna Mutazolo Baboué. Et donc nous ne savons pas qui dit vrai, qui dit faux. Mbokanabiso ordre zate. C'est ainsi que je vous avais dit que non. À un certain moment, nazota la discussion Oezako Salema, nos réflexions risquent d'aller dans le néant et que qu'on soit attention te ne yango nazo mona na obité. Natika la nanu moi na sima, natala na yokabatu. Tangu bako banda ko silisa ko maloba na bango parce que baloba bato bazako loba ils ne sont pas en train de réfléchir. C'est comme si des perroquets batubo batie bango maloba na minoko bazolo baloba biloko o bazoko comprendre te. Et donc c'est ça le chemin que je disais que il fallait que to banda na ngo. Mais au moment où nous sommes maintenant na moment oyo qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que absolument Félix Tshisekedi puisse faire un U-turn, comme on dit. Il est temps de prendre conscience que Mboka Oyo et Kobonga Kana tribu mon côté à la tête du pays. Ça nous devons rechercher une unité nationale. Nous devons rechercher des cohésions nationales. Toye Bakandenge ni ko résoudre bapo. Nous devons reconstituer notre État. L'État doit être... Il faut tout passer pratiquement à la 4e République. Et c'est comme cela que moi je suis en train de me dire que non. Peut-être Félix Tshisekedi a dit que non. Nanga Zakoya, et lorsque Nanga arrive, il va le chasser et nous passerons absolument. Parce que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, toutes les lampions sont à vert pour que nous puissions passer à la 4e République. Mais tout raté, t'es cocotte à la 4e République, on a sans que tout préparé en go. Et c'est ça que même je suis en train même de conseiller à nos amis qui ont pris les armes pour que bah revendiquer Babilo Konabango. Si vous aviez pris les armes, ok, c'est mieux, c'est bien. Mais ces armes-là, moi je pense que Natango Bozakoya, réfléchissez sur la République que vous viendrez, que ça sera, quelle sera la 4e République. Qu'est-ce que vous pensez que le réel problème du Congolais Ali Wapi? Si vous venez tout simplement, parce que je me rappelle du parole de Mouzé, Mouzé avait dit, c'est facile de gagner la guerre. Namando ki boboziye kakati bozui mboka. C'est facile. Parce que Bozana batoube, Bokoya, Boko Benga na Tshisekedi bien.
Mais le grand problème, c'est ce qui reste. La vraie guerre, c'est la gestion que Tshisekedi est en train d'échouer. Il y a le pont, c'est ça la vraie guerre, la guerre du développement maintenant, de ce territoire conquis. Ça, Mouzé le disait. Que non, il est facile de gagner la guerre par les armes, mais la guerre du développement, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir la solution. La solution n'appartient qu'aux érudits. Et les érudits ne sont pas nombreux. Il y a des avatars dans les érudits qui peuvent savoir, ok, ce n'est pas moi, mais c'est le pays. Mais comment je vais le faire avec tous les 450 tribus? Comment est-ce que je vais mettre tous ces 450 tribus ensemble pour que la paix revienne? Quel est le système que nous allons mettre pour que tout le monde puisse se retrouver et pour que tout le monde puisse respecter les droits? Parce que le combat, c'est de mettre de l'ordre dans notre pays. Voilà, mes chers amis, là où je vais m'arrêter aujourd'hui, en vous recommandant encore une fois de plus de vous abonner et de partager nos émissions. Malgré cette cacophonie, parce que nos réflexions ne ressemblent pas à ce débat de caniveau qui submerge les réseaux aujourd'hui. Non. Ça, c'est un média d'élite. Et vous, vous êtes des élites. Quand vous m'appelez, vous sentez les gens qui réfléchissent, qui se battent pour leur pays. Et ici, je salue tous les amis qui s'évertuent pour faire des spaces sur X et nous inviter pour parler, pour défendre ce que nous sommes en train de vous dire ici aujourd'hui. Et c'est par là que nous avions un peu choisi d'aller nous exprimer. C'est pour cela que je vous disais, nous n'avons pas reculé vraiment, parce que nous intervenons dans l'espèce où nous expliquons effectivement comment est-ce que... Et là, les gens réfléchissent. C'est là la tendance dans laquelle je suis en train de partir. Ce n'est pas que je veux quitter cet espace de YouTube, non. Mais beaucoup de temps, je le passe maintenant sur X, où il y a un branche d'intellectuels qui réfléchissent et qui parfois me donnent raison en disant « Voilà la solution peut-être que si nous avons quelqu'un qui peut prendre cette solution-là et l'implémenter et que ça va faire baisser la tension en République démocratique du Congo. » Alors, merci beaucoup. Donc, vous êtes abonné si vous n'êtes pas encore abonné. Vous avez partagé. Et on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.